pas ici. Salut Sabine, ça va? T'es venue voir Marie. Tu lui as parlé? Non, je lui ai pas parlé, juste que c'est ma fille, je suis venue voir comment elle va, c'est tout. Tu vois les enfants, tu ne les approches pas et tu ne leur parles pas, t'as compris? Jusqu'à ce que tu payes les arriérés. Tiens, non, c'est nouveau ça. Je te rappelle que j'ai droit à 2 jours par semaine. Marie a besoin de moi, c'est toujours moi qui l'accompagne à la piscine. Maintenant, elle a besoin de mon soutien plus que jamais, c'est normal. Hein. Arrête, Jean-Paul, je t'en prie. Tu l'as amenée 1 fois sur 10 maximum. Et à chaque fois, t'as tout cassé. Mais rappelle-toi, elle n'a pas été qualifiée aux européennes à cause de toi. À cause de moi? Oui. Mais j'étais en Irak. Et à cause de toi, elle ne se qualifiera même pas cette année, tu sais? D'accord. Toi, tu n'as jamais soutenu les enfants. Tu sais ce que tu as fait? Tu leur as collé une dépendance hystérique et une confusion dans la tête que tu ne peux pas imaginer, toi. Tant que tu n'auras pas payé la pension, tu ne les approches pas. Sinon, moi, j'appelle le flic, je le fais. D'accord. Si tu ne respectes pas tes obligations, Jean-Paul, moi, je ne respecterai pas les... Ok, compris. Mais... Fous le camp, oui, comme toujours. Espèce de raté! Que ce soit son père ou moi, nous sommes athées depuis toujours. Cette chose-là n'a aucun sens pour nous. Et pour moi, j'aurais jamais cru que mon fils venait à l'église, mais jamais. Je me demande qui lui en a parlé, mais qui l'a pu amener ici? Je crois que tout ça se produit à cause de la séparation de mon mari. C'est clair que les enfants soient traumatisés. Vous avez l'impression que Gabriel est traumatisé? Mon père, vous avez tout mon respect, mais mon fils ne deviendra pas prêtre. Il ne va pas gâcher sa vie ainsi. Je l'amène voir un psychologue et ça va faire passer cette phase masochiste. Enfin, tu les as vus très petits. J'ai vu. Oui. Oui. Jacqueline fait un travail très, très spécial et très bien. Et vous pourriez vous voir plusieurs fois par semaine, non? Tu as un peu de temps pour, oui, oui, pour oui, nous? Oui, je suis d'accord c'est avec toi. C'est quoi, c'est psychologue? C'est juste... Enfin, qu'est-ce que tu nous proposes comme travail? Tu dois nourrir les enfants, tu comprends? Tu les dois nourrir et ne pas les utiliser pour calmer tes angoisses. Je te connais trop bien, Jean-Paul. Tu nous utilises tous. Attends, tu penses que je te verse pas les arriérés parce que ça m'amuse, parce que je suis radin? T'as vraiment aucune pitié. Pitié? Tu me parles de pitié? Tu as dépensé tout l'argent pour ces cures inutiles. La vérité est que cette histoire de choc post-traumatique, c'est une de tes fameuses excuses. Je suis la fille du journal. Tu penses que je ne sais pas que tu es avec elle? C'était déjà avant, non? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je la voyais pas avant, elle a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai consacré 20 ans de ma vie pour toi. J'ai quitté mon pays pour vivre avec toi. Je dirais, c'est à moi de demander de la pitié, non? Tu m'as détruit la vie. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça te suffit pas? Espèce de raté! C'est un endroit très, très compliqué, la Terre. Je pense que tu devrais pardonner à papa. Je pense que vous devriez vous pardonner l'un à l'autre. C'est comme un cercle vicieux, mais vous pouvez en sortir. Après, vous serez vraiment libre. Ça m'a pas l'air si compliqué, tout ça. On va se prendre un petit café. Du snakker fransk, du snakker engelsk. Jeg kan vel skjønne det. S'il vous plaît, madame. Elle veut acheter cette peinture-là. C'est combien? L'artiste ne veut pas que ses peintures quittent la France. Et vous n'êtes pas français. Pardon, madame. Hein? Il aime beaucoup la peinture. Bon, d'accord, je vais essayer. Du no gove. Nej. Malheureusement, t'es un petit nej. Du. Hello, painter. I'm from Norway and I like your painting. You can come and visit me if. L'artiste ne parle pas anglais. Hein? Han snakker ikke engelsk. You can paint a new one. You got the colors and everything. You know what? I think you're a snob. It can't be that difficult to paint such a picture. It's got the colors and everything. You know what? For prisen var det heller ikke noe å si på.